Carlos is visiting a friend near the U.S. border. He notices that the nearby high-voltage line is different to the one close to where he lives. He knows that the electric and magnetic fields generated by power lines aren't dangerous, but wonders if there's a difference from one electrical facility to the next. Well, Carlos, did you know that there are two types of electric current? Il y a deux grands types de courant électrique. Le courant alternatif qu'on utilise dans nos maisons, qui est produit dans les centrales d'Hydro-Québec et qu'on utilise, qu'on transporte sur notre réseau électrique. Et il y a le courant continu. La source la plus usuelle de courant continu, c'est les batteries qu'on utilise là, dans nos téléphones et dans nos petits appareils. Few people know this, but Hydro-Québec also uses direct current at certain points on the grid. The distinction between both types of current lies in the flow of the electrons. Dans le cas du courant alternatif, les électrons changent de direction, 120 changements de direction par seconde. Alors, il y a un mouvement de va-et-vient des électrons dans le conducteur. In DC, the electrons do not change direction. One particularity of Hydro-Québec's grid is that most interconnections with neighboring systems have a DC segment. The aim here is to create a buffer zone between the Quebec and neighboring systems while enabling electrical power to be exported. Sur le réseau d'Hydro-Québec, on a une ligne actuellement en courant continu qui part de la baie James et qui s'en va jusque dans la région de Boston. Alors c'est notre ligne principale pour les exportations vers la Nouvelle-Angleterre. Just like AC power lines, DC lines generate electric and magnetic fields. However, the two are different. Les champs électriques et magnétiques des lignes en courant alternatif auxquels on est exposé, ils vont varier de direction avec le mouvement des électrons qui se produit dans le fil. Dans le cas d'une ligne à courant continu, étant donné que les électrons circulent toujours dans le même sens, le champ il va être quasi statique, comme on l'appelle. C'est un peu comme le champ magnétique terrestre, qui n'oscille pratiquement pas. The strength of a magnetic field is measured in Teslas. However, since these fields are often very weak, it's more common to refer to them in micro-Teslas. The geomagnetic field across the Vallée du Saint-Laurent, St. Lawrence Valley, is approximately 50 micro-Teslas. This is a natural phenomenon with which we have always lived. Le champ magnétique qu'on mesure sous une ligne à courant continu est d'une dizaine de microtesla. Alors, c'est certain que la dizaine de microtesla générée par la ligne va se confondre avec le champ magnétique terrestre qu'on retrouve dans ce secteur-là. Whether the line is overhead or underground, the static magnetic fields generated by direct current are so weak they're not a health concern. Ce que les autorités de santé publique recommandent, c'est de ne pas dépasser 400 000 microtesla en termes de champ magnétique courant continu. To summarize, the difference between AC and DC is in the flow of the electrons. Electrical equipment will always produce weak electric and magnetic fields, but these will differ depending on the type of current. So, Carlos, you now know that electrical facilities can indeed differ. But regardless of whether the current is AC or DC, the electric and magnetic fields they generate will be harmless.